de suggérer de travailler pour les gens et leur santé. Faut qu'on décide pour rire, pour niaiser, c'est vacciné, puis laissez bon gérer. Sachez, jeune fille, que je ferai une dette
sœur. Comme dans ton modèle. Oui, mais les acteurs sont pas mal plus beaux. Pour qui tu te prends, toi? Il donnerait même pas un rôle de figurant de cette phrase goldie pour 9 secondes. À tout regard, soleil. Regarde, la séance de la vie. Hey, non, j'ai vraiment pas eu le temps de la prendre quand je suis partie chez nous. Comment ça, t'as pas ta carte? Mais j'ai de l'idée, faut que je vois. C'est pas moyen de trouver mon numéro à quelque part. Quelque part, quelque part. Penses-tu que tout le monde a son numéro de carte soleil dans le parc? Si ça serait ton cas, t'aurais un gros coup de soleil dans ton front. C'est quoi le nom à ma perte de cheveux, madame? Non, mais ça peut être un drôle de feeling de se peigner avec une débarbouillette le matin. Essaye de suicider. Désolé, enfin!
passe d'un gars qui a besoin d'aide. Ça passe d'un gars qui a besoin d'un sac, ça t'aide. Ben, je vous en prie. Moi aussi, j'ai déjà eu la picotte. Bonne raison pour s'en prendre. Mais, j'étais pire que toi, hein. C'est rendu que mes chums m'appelaient la calculatrice spatiale. Et toi, en train de ridiculiser mon fils? Mais tu vas pas. Les enfants, je vous défends de parler à cette femme. Elle est de la pire espèce. C'est un parasite de la société. Je ne suis pas un parasite de la société. Je suis une alcoolique qui arrive de la société. C'est pas pareil. Ce n'est pas croyable. Même les hôpitaux sont rendus de mauvais exemples pour notre jeunesse. Ben oui, ça paraît qu'il n'a pas rien que chez nous, hein? Mon frère, ça pose. Bon, oui, pour rire de faire, c'est le vieux lui qui est en prison. Cesse de dire des sottises qui tient quoi convenablement. Même certains adultes ne l'ont jamais appris. Mais c'est rare de sa mère comme une blonde. Elle n'a pas vu tout ce que j'ai vu à soi, elle, toi. Samuel Beckett disait, nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent. Pourriez-vous faire en sorte que mon fils reçoive les soins nécessaires et que ma fille, qui n'est pas encore atteinte, reçoive des soins préventifs? Voyez-vous pas que... Peigne, si G-E-P-P-E-G-N-E.
La bombe. Dis-moi pas, c'est toi qu'il faut qu'il trouve la bombe. En tout cas, tu énerves tout le monde comme tu m'énervais tantôt, là. Je te souhaite la trouver puis tu sautes avec la bombe. Fais pas de farce avec ça, c'est même pas drôle. Je fais pas de farce avec ça, mais c'est pas si grave que ça ton histoire de bombe pis de voleur. Mais ça, c'est pas si grave que ça, là. Trouve-la la bombe, dis-moi, je vais trouver ton Jules. Mon Jules, il faut que je le trouve. Il est parti dans salle 3 chercher des nouveaux pansements. Son nez coulait encore. Pauvre chérie. Je sais pas si c'est la nervosité, mais les cinq humains du instinct. Je l'ose ce que t'es, là. J'espère que tu te caches pas. Parce que c'est ça, ma peur de regarder d'être venu au monde, je te jure. J'ai pas trouvé la bombe. Ben oui. Mais non, j'ai pas cherché. Ben oui, j'ai cherché partout. C'est faux. Pas cherché partout. Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai pas cherché partout? Vous trouvez un moyen pour que ça soit au courant, hein, non? Il n'y a rien de nouveau à moi, j'en souffrais. Tu vas pas demander de rire. Ben là, si je pouvais pas vous regarder dans sa coche, la réceptionniste? Oui. Vas-y. J'ai jamais été capable de regarder dans sa coche des femmes. Je sais pas, j'ai peut-être peur de devenir kleptomane. Il faudrait peut-être que j'en parle au petit docteur. Oh non, je serais pas capable. Il faut que je trouve Carole, elle va sûrement pouvoir ouvrir avec sa coche. Carole! Je commence à aimer ça, c'est tic-tac.
Soigner. Nos dossiers, on souffre. On s'habitue à tout, même à souffrir.
pas été où, hein? Jules! Qui est mon Jules? Vous l'avez trouvé, mon mari? Quelque chose? L'ex-main? L'ai cogné? Je l'ai cogné. Mon vieille, je Tony, là, je t'en veux plus. Vous savez, comme je regrette d'avoir frappé, hein? J'ai même pensé me suicider. Quand deux gens ont voulu se suicider, ils se sont contentés de déchirer leur photo? Je peux déchirer ma photo, mais je faisais pas un portrait, toi. J'ai l'autre côté, là. Sors pas tout de suite, moi, chercher. Tu sais ce qui va t'arriver si je te trouve. Je suis mon pitou, je suis en train de faire patience. Je suis avec tes nattes. Ouais, puis avec les nôtres aussi, hein? Hey, toi, t'as-tu demandé de respirer, toi, Perruque? J'en ai vu d'autres, jaquettes de cuir. J'en ai vu de cuir, hein? T'as même plus de montage que mes dents avec ton cuir. Et tu te vu dans les miroirs? Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer leur snatch. Mais... Toute une gang de capotés. Quand un homme a quelque chose à dire, la difficulté n'est pas de lui faire dire, mais de l'empêcher de le dire pour souvent. Madame Rebelle, Monsieur Vallée, vous êtes là? Ah, vous êtes-vous décidé de même pour vous sauver de votre département? Monsieur Génie, pensez-vous que mon cheval va pouvoir passer l'après-midi par la salle où? Oh, inquiétez-vous pas, Monsieur Vallée. On a un petit peu de temps de rentrer tout de suite après le cinépark. Ben,
situation prête. Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète? Ah, ça fait quoi que tu m'as pointe à jour? Ben, rien de tout, moi je me crasse. Oh, aïe, aïe, mon dos fait encore mal. Oh. Es-tu suivi par un médecin, toi? Ah, arrête-moi ça, toi, je sais que non. En tout cas, le médecin qui me suit, je l'ai pas vu. Mon mari, toutes ces années de travail pour finir de me tuer par des voleurs à son travail, à tout le tout. Je suis un
Une bombe cachée dans l'hôpital. Une bombe? Ben là, appelle la police. La police? Elle